mois de mai, rendez-vous avec Cyril, responsable d'un bureau d'études spécialisé en phytoépuration à Landivisio. Il nous fait découvrir son activité, véritable alternative à l'assainissement individuel classique. Nous ferons le tour des travaux du mois et répondrons ce mois-ci à la question de Yann. En fin d'émission, Jean-Jacques abordera avec Cyril les plantes phytoépuratrices. Des idées plein la terre, c'est parti! Alors Cyril, dans une maison individuelle classique, on a un système d'assainissement avec une fosse et puis un système de drainage. Ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, où sont évacuées les eaux usées de la maison en fait ? Donc en fait, ici, l'ensemble des effluents sont récupérés dans un poste de relevage en fait, qui permet de relever les effluents et d'envoyer dans ce filtre en fait, de roseaux. Mm-hmm. Ce filtre-là, en fait, il est rempli de gravillons de différentes épaisseurs. Ces gravillons sont naturellement chargés en bactéries et c'est ça en fait, qui va assainir les effluents. Nous, on va implanter en fait, du roseau à l'intérieur de ce filtre. Les roseaux, en fait, ils vont développer un système racinaire traçant, un peu comme les bambous. Hein, et du coup, les bactéries vont venir se fixer sur ces racines. Quoi. Les roseaux, ils servent également en fait, à apporter de l'oxygène au substrat. Et ils permettent aussi d'éviter le colmatage superficiel du filtre. Ok. Et donc là, ça y est, l'épuration est faite. C'est terminé. En fait, le filtre ici permet de filtrer les effluents. Et après cette filtration, en fait, on a obligation en Bretagne de rejeter en fait, les effluents dans le sol en place. Hein, et ça, en fait, c'est le système qui est juste devant nous. En fait, c'est les tranchées d'épandage qui permettent en fait, d'infiltrer les effluents dans le sol en place. Ok. Alors là, je vois, c'est super petit. C'est une maison qui peut accueillir combien d'habitants, en fait ? Alors, pour cette phytoépuration-là, en fait, elle est dimensionnée pour une maison de 4 chambres. 4 chambres, d'accord. Donc un équivalent, c'est 5 personnes. 5 équivalents habitants, oui. Ok. Donc c'est, en fait, c'est vraiment adapté et pour des petits jardins. Tu disais aussi peut-être pour des zones humides ou... En fait, c'est un assainissement qui répond vraiment aux zones un peu problématiques. Donc tout ce qui est petite surface, comme on a aujourd'hui sur les nouveaux lotissements, mais également les terrains humides. Ici, on est dans un moulin. Et également tous les terrains avec de la roche affleurante. Quoi. D'accord, ok. Alors ces roseaux. J'imagine qu'ils ne vont pas faire cette taille-là toute la saison, ça va pousser. Quel est l'entretien qu'on doit appliquer? Quelles sont les interventions sur ce bassin? En fait, sur la phytoépuration, c'est assez simple. En hiver, les roseaux ils vont faner. C'est une plante vivace, donc ça va dépérir, ça va faire des fans. À ce moment-là, en fait, on vient les couper au niveau du caillotier. Parce que ça va quand même monter assez haut. Et oui, et du coup, en fait, en plein été, c'est des végétaux qui vont monter jusqu'à 2 mètres de haut. Quoi. Ok. Voilà. Donc en hiver, ça brûle. Donc en hiver, ça dépérit, on vient les tailler. La première année, en fait, nous, c'est des petits godets qu'on vient planter, donc il y a un petit peu de désherbage éventuellement à faire. Et après, du coup, une fois que la phragmite est bien implantée dans le filtre, il suffit de les faucher une fois par an. Quoi. D'accord. Voilà. Et on s'en sert en plus pour pailler ou mettre au compost. Et en fait, l'ensemble des déchets issus de la phytoépuration sont valorisables dans le jardin, puisque en effet, on peut servir ça en compost ou en paillage. Ok. Et la durée de vie de ce type d'installation, c'est similaire aux assainissements classiques ? Alors non, c'est largement supérieur. En fait, la phytoépuration, à la base, c'est utilisé par les collectivités, les industriels, pour assainir les effluents, les agriculteurs également. Et nous, on l'a adapté pour le particulier. Ça a une durée de vie, en fait, de 50 ans. Quoi. Okay. Donc, par rapport, en fait, aux assainissements classiques, qui vont durer une trentaine d'années. Très bien. Alors, bon, la petite question qui fâche... Les odeurs, est-ce que voilà, on a un peu comme une fosse septique à ciel ouvert quelque part, est-ce que ça peut être à un moment donné malodorant ou pas? En fait, il n'y a pas plus d'odeur qu'un assainissement classique. En fait, les effluents, ils arrivent directement à l'air libre, comme tu l'as dit. Maintenant, en fait, c'est pas un milieu confiné comme les fosses septiques, donc il n'y a pas en fait de phénomène de fermentation. Quoi. Donc en fait, comme je dis souvent, en fait, si un jour vous avez des odeurs à vos phytoépurations, c'est bien il y a une anomalie. À ce moment-là, nous, on peut intervenir rapidement pour la résoudre. Et l'avantage en fait de la phytoépuration, c'est que tout est visible. Donc si un jour en fait vous avez un problème avec votre système, on intervient rapidement avant qu'il soit trop tard. Ok. Et comparativement à un assainissement classique, fosse septique, drainage, est-ce qu'on est dans la même fourchette de prix ? En fait, par rapport à un assainissement classique, on est un peu plus cher à l'achat. Par contre, sur la durée, comme on a une durée de vie qui est largement supérieure au système, on va dire, conventionnel, on est sur un prix similaire. Je viens de constater avec Cyril l'incroyable capacité des roseaux à prélever dans de la matière organique des sels minéraux. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres plantes qui ont cette même capacité de phytoépuration, Cyril ? Alors oui, en fait, il existe des phytoépurations à l'aide de filtres, avec le premier filtre de roseau et ensuite un filtre qui ressemble un peu à du lagunage, dans lequel on peut justement en fait, planter des végétaux plutôt à intérêt décoratif, comme les iris des marais par exemple, la salicaire, de la menthe aquatique ou encore du plantain d'eau. D'accord.
Alors maintenant, on va utiliser tes capacités de paysagiste cette fois-ci. Et donc, supposons que ce jardin qui présente des caractéristiques d'être particulièrement humide, et nos téléspectateurs, il y en a qui se trouvent dans cette situation-là aussi, qu'est-ce que tu conseillerais comme plante ornementale dans un lieu comme celui-ci? Alors moi, j'aurais... dans un premier temps, favoriser peut-être les plantes en fait à floraison insignifiante, mais avec un feuillage intéressant comme les ostas, la pétasite, les œuchères ou encore les fougères en fait, qui vont offrir en fait un panel de feuillage assez intéressant. On a aussi la famille des plantes de terre de bruyère qui sont plutôt adaptées avec les hortensias comme l'hydrangea carcifolia, l'hydrangea paniculata ou encore les cornus alba ou sanguinea qui ont un caractère caractéristique en fait d'avoir un bois en hiver, parce que c'est une plante caduque, qui donne en fait une couleur un peu acidulée au jardin. D'accord. Alors maintenant, montons d'un cran. Imaginons qu'on a un propriétaire qui est particulièrement exigeant et qui voudrait aménager son jardin uniquement à partir de végétaux indigènes, bretons par exemple, voilà, ou plus largement français. Oui. Alors dans ce cas-là, on peut en fait sélectionner des végétaux en effet indigènes comme les sols, le saillie de Saba par exemple, ou le sol marceau, qui sont plutôt bien adaptés. On a également tout ce qui est sureau noir qui est adapté, et puis je pense aussi en fait au houx qui permettrait en fait de faire une haie bocagère assez intéressante. Et l'osier aussi est particulièrement en fait adapté à ces haies bocagères en milieu humide. Et on pourra l'utiliser à un double usage, on pourra aussi en faire des paniers. Oui, mais, tout à fait. Ouais. Et sinon, que dirais-tu de planter ça dans ce jardin? Alors là, c'est un peu un cadeau empoisonné, Jean-Jacques, parce que c'est de la renouée du Japon, qui est une plante indigène. Une fois qu'elle est implantée, on a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et même si, à la base, c'est une plante qui a été importée pour son côté un peu ornemental, c'est vrai que c'est une plante qui fait partie des plantes envahissantes. Donc, on va pas du tout conseiller à nos téléspectateurs de suivre cette voie-là, mais de vraiment l'éliminer, vraiment sans pitié, elle et d'autres plantes qui sont envahissantes. Bien, merci Cyril pour cette belle découverte. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Salut! Salut! Salut. J'ai pas trop ri? Non, c'est... Non, parce que je me disais, non, mais là, on part vers les 3 minutes. Non, je savais où j'allais. Oui et non, pardon. Non, enfin, non, je ne comprends pas nécessairement, mais...